C'était ce samedi 11 mai à Paris, le concert événement de 40 ans du groupe Kassav. On va vous faire revivre cette soirée exceptionnelle en compagnie de nos invités, le musicien Frédéric Caracas, le chanteur Sly et le spécialiste des musiques tropicales Claudie Fiard. Bonsoir. Bonsoir. Alors 40 000 spectateurs, 3 heures de concert, une température maximale pour souffler ces 40 bougies. Le groupe fondateur du Zouk a tout donné avec intensité, émotion et bien sûr beaucoup de joie. Regardez ce reportage de Nathalie Sarfati, Denis Rousseau-Caplan et Sébastien Passion. La salle est au complet, 40 000 personnes. En coulisses, les musiciens sont prêts. On va se faire plaisir et on va surtout fêter ses 40 ans, les 40 bougies, et on va mettre le feu. Direction la scène de l'Accor Arena de Nanterre, la plus grande salle d'Europe. Pour leur 40e anniversaire, Kassav a voulu créer l'événement. C'est l'histoire qui est en train de s'écrire. Le grand moment est arrivé pour Jacob Desvarieux, Jean-Philippe Martelly, Jean-Claude Nemrot, Georges Décimus et Jocelyne Berroir. Kassav va reprendre tous ses grands succès repris en chœur par le public. Quel est le secret de leur longévité? Jean-Philippe Martelly a une explication. C'est vivre ensemble, on s'aime. Nous portons sur le dos une charge en fin de compte, bon, c'est Kassav. Bon, c'est une institution, donc bon, on fait le maximum pour que ça puisse durer, pour faire plaisir aux gens. Et ils ont fait plaisir, Kassav, pendant 3 heures de show. Leur énergie a fait plaisir à voir. Le Zouk, c'est une affaire de famille. Les musiciens, les choristes, ils ont tous un jour rêvé d'intégrer le groupe. Quand j'ai entendu ça la première fois, je me disais, c'est extraordinaire ce son, c'est extraordinaire, mais moi je vais y être, je vais découvrir cette musique. Et bon, les choses, peut-être 20 ans après, j'ai intégré le groupe. J'avais 17 ans quand j'ai commencé avec le groupe. J'étais danseuse. Ma maman, justement, il y a Jacob qui est venu demander la permission pour que je puisse venir danser avec le groupe. Kassav a bien sûr rendu hommage à Patrick Saint-Éloi, disparu en 2010. La musique antillaise a vibré toute la soirée, et nous avec. 40 ans après leur création, le groupe n'a pas pris une ride. Alors, messieurs, merci d'être avec nous. Comment vous avez vécu... je voulais rester discrète, chute. Comment vous avez vécu cette soirée, Frédéric Caracas, vous qui avez fait partie de Kassav durant 5 ans. Durant 5 ans, en tout cas, hier soir, c'était une belle soirée, magnifique, beaucoup d'énergie. Et pour moi, un message est passé durant son concert, c'est qu'en fait... il n'y a pas d'âge quoi, pour le Zouk. Et le Zouk a rassemblé, pour moi, plusieurs cultures. Parce que après la première partie du concert, avec le Grand Méchant Zouk, j'étais un petit peu dans la salle avec ma caméra. Et c'est là que j'ai vu vraiment, il y avait de tout. Il y avait toutes les cultures, toutes les générations. Alors justement, vous dites, il n'y a pas d'âge. Sly, vous faites partie des héritiers. Vous étiez sur scène en première partie avec le Grand Méchant Zouk. C'était comment pour vous? Terrible. Terrible. Après, ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, vu de la scène, c'était impressionnant cette arène, effectivement. Et puis cet anniversaire que l'on fête, c'est-à-dire que cette musique, ils l'ont créée. Moi, je me suis pris la gifle, le Zouk, j'étais adolescent, pré-ado même, voilà. Et jamais j'aurais pu penser que j'aurais pu un jour évoluer dans cette musique, mais je veux dire, tout ça, c'était grâce à eux. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans le domaine de l'exception. Il y a un mot qui est un peu galvaudé, c'est exceptionnel. On l'utilise à toutes les sauces. Mais on est vraiment avec Kassav dans l'exception. Alors, on va avoir le temps d'y revenir, justement. Juste un mot, Claudie, vous qui avez suivi de très près cette carrière hier soir, pour vous. J'étais là au premier concert de Kassav, donc au Zénith de Paris. Et je suis là à ce concert. Alors certains disent c'est probablement l'ultime concert, enfin l'ultime grand concert à Paris de Kassav. On n'en sait rien. Parce que lorsque vous assistez à l'énergie des uns et des autres sur scène, 40 ans, je vous laisse calculer l'âge des uns et des autres, hein, de tous ces membres-là fondateurs, c'est exceptionnel. On a commencé par un devoir, avoir Jocelyne chanter sur scène.
Jocelyne, elle a électrisé la salle. C'est-à-dire qu'elle avait une énergie exceptionnelle. Moi, je l'ai vue 10 fois, 100 fois sur scène. Et là, c'était spécial. Et puis, il y a une chanson, Soleil. Et cette chanson-là, on la connaît tous, c'est une chanson culte. On la prend comme étant une chanson très forte du répertoire de Kassav et de la musique antillaise. Et puis, il s'est passé quelque chose de magique parce qu'elle a résonné autrement. Elle a résonné autrement au regard des problématiques en Outre-mer, que ce soit à Mayotte, à l'île de la Réunion, aux Antilles, le chlordécone, les sargasses et tout ce que l'on connaît, les problèmes hospitaliers, problèmes de chômage, problèmes d'immigration. Et donc, on a une Jocelyne qui nous chante Soleil, la force que le soleil nous donne malgré l'adversité et tout cela. Et Kassav, c'est ça, en réalité. C'est toute une identité, c'est l'affirmation de bien des peuples. Je crois que vous avez donné de la voix hier soir, ça s'entend. Oui, alors, vraiment, mais c'était un moment extraordinaire. C'était un concert à guichet fermé, hein, devant 40 000 spectateurs. Pour certains, c'était une première. D'autres, comme vous, n'ont quasiment jamais manqué un concert de Kassav. Dans tous les cas, vous allez le voir. Même ravissement. Écoutez ces réactions recueillies par Louis Hautvas, Nordine Bensmaïl et Gilles Mazzaniello. Samedi, en fin d'après-midi, ils étaient nombreux du côté du Paris La Défense Arena pour venir assister au concert à ne pas louper lorsqu'on aime le zouk. Celui célébrant les 40 ans de Kassav. Jacob, je t'aime! Plus qu'un concert, une communion. Kassav, nous là, toujours là! Certains avaient fait le déplacement depuis les Antilles, d'autres des quatre coins de l'Hexagone, et même depuis Cotonou, au Bénin. Pourquoi nous venons de si loin? Les enfants nous ont offert ces tickets-là pour Noël, parce qu'ils savent que les parents écoutent Kassav depuis les temps d'enfance. Donc c'est une opportunité pour eux de nous offrir un cadeau inespéré. Donc on est très contents d'être là. Ensuite, avec son savoir-faire habituel, Kassav a transformé la salle en chaudron pour le plus grand plaisir de l'assistance. C'est légendaire. Ils ont pu instaurer quelque chose en France et dans le monde. On vous aime. Je vis avec Kassav, je suis musicien, je fais du piano. Kassav, c'est ma vie. Pendant plus d'une semaine, il n'y a rien qui peut me détruire. Ah, rien. On va que rien. Franchement, the karma is with me because I was in Kassav. On évoque souvent son rayonnement aux Caraïbes, en métropole et en Afrique. Samedi soir en était une nouvelle illustration. J'ai rencontré mon mari dans un concert de Kassav il y a 6 ans déjà. Et chaque fois, on vient le voir parce qu'on est fan et puis ça nous rappelle des souvenirs. C'est le groupe mythique et je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux d'avoir pu assister aux 40 ans. C'est une musique qui me suit depuis l'enfance, en fait. Quand j'étais petite, j'entendais mes parents parler de Kassav. Pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. Alors, à dans 10 ans pour leurs 50 ans. El Karma est avec nous aussi. Alors vous l'avez entendu, certains de ces spectateurs ont fait beaucoup de chemin pour fêter cet anniversaire. Des fans venus de tout l'Hexagone, parfois de l'étranger et bien sûr des Antilles. C'est le cas de ce fan guadeloupéen qui a fait le voyage tout spécialement. Louis Hautvas, Nordine Bensmaïl, Gilles Mazzaniello. S'agirait pas d'être en retard. Fan de la première heure, Alex Terrianin s'est payé le billet depuis la Guadeloupe pour venir voir Kassav à Paris, La Défense Arena. Les 6 mois d'attente bientôt comblés. C'est sa sœur Annie qui vit en métropole qui l'accompagne. J'ai acheté mon billet le jour de l'ouverture de la billetterie. Ça, c'est le 4 septembre. Puis, étape obligée, la boutique à souvenirs, il y en a plein dans sa maison déjà. Mais Alex est toujours à l'affût des derniers gadgets. Ce qu'il y a de nouveau, moi, je prends. Sa sœur et lui peuvent enfin s'installer pour le plat de résistance. T-shirt adapté, sifflet à la bouche. Il est déjà rentré dans la peau du fan qui n'a loupé que peu de concerts de son groupe fétiche. Puis la machine Kassav se met en route, les tubes défilent. C'est pour cette raison qu'Alex et les 40 000 fans sont venus. Reprendre en chœur les chansons de leurs tubes préférés. Époustouflant. Vraiment, ils ont joué tous les tubes qui existent depuis 1980. Ils ont créé une musique, ils ont créé un son. Et ça vient de deux petits pays
à peine visible sur, sur la carte. Et ils ont su rallier des gens, rallier des peuples. Voilà. Et ça continue, et ça continuera encore. Au bout de la nuit et des 3 heures de concert, Alex est parti ravi, prêt à rempiler pour les 50 ans. Claudicia, Frédéric Caracas, là, ils sont rares hein, en France, les groupes qui peuvent remplir le Stade de France, remplir plusieurs zéniths d'affilée. Et puis encore aujourd'hui, une salle de 40 000 places comme la Défense Arena, c'est une performance, non? Et même dans le monde. Même dans le monde, un groupe capable de faire ça et d'avoir une telle longévité, il y a les Stones, il y a... Et c'est tout. Et il y a Kassav, évidemment. Oui, c'est exceptionnel. La personne qui disait c'est un groupe mythique, ses chansons sont mythiques, deux petites îles comme ça qui rayonnent à travers le monde. On n'imagine pas ce que Kassav a réalisé. C'est-à-dire, on parle souvent des chantres de la négritude, d'Aimé Césaire, Gontran Damas et de Senghor. Mais ce que Kassav a permis pour rapprocher les diasporas de l'Afrique, c'est exceptionnel. On a vu ce fan béninois sur scène, par exemple, au moment de Siébois, puisque Siébois, le clip avait été tourné justement en Afrique, à Kinshasa. Et donc, et là, il y a eu un moment sur scène ou un moment d'Afrique, quoi. On était vraiment dans une africanité réelle et c'est Kassav qui a réalisé ça. Comment vous expliquez cette ferveur, Frédéric, par exemple, vous qui avez tourné avec le groupe? Il y a une ferveur de la part du public, il y a vraiment une place particulière qui est occupée par le groupe. Moi, je pense que déjà, il y a une magie qui dégage dans cette création de Jacob Desvarieux. Parce que lui aussi, il a béni en Afrique, il a su faire cette synthèse entre la musique antillaise, la musique africaine, et ça donnait justement cette mixture. Et je pense que ça joue beaucoup. Quoi. C'est, en Afrique, ils se reconnaissent dans cette musique, et c'est une musique binaire où toute la Caraïbe se reconnaît. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui que le monde entier joue du zouk, même s'il y a une autre annotation, ils donnent un autre nom, je ne sais pas, mais ça reste... Kizomba, ils appellent ça Kizomba, tout ça. Mais le zouk, c'est des vrais créateurs. Voilà, ils ont prouvé qu'ils sont des créateurs du zouk et que ça va continuer encore parce que c'est voilà. Et qu'on suscitait donc une certaine ferveur, une grande adhésion. On va revoir justement un extrait de cette ferveur hier soir lors de ce concert des 40 ans. Regardez. Voilà, c'était dans le cadre de l'hommage à Patrick Saint-Éloi. Jean-Philippe était encore une fois exceptionnel lorsqu'il fait chanter, danser tout le monde. Il nous fait lever les mains à droite, à gauche. Et on accepte ça. Ça fait 40 ans que ça dure et 40 ans qu'on aime le faire. Et vous allez peut-être recommencer on encore. On va recommencer et jusqu'au bout. Sly, on commençait à en parler tout à l'heure. Quel rôle ont-ils joué pour vous? Ils ont été une inspiration? Ben ouais, totalement. C'est-à-dire que, en fait, ouais, j'étais enfant en fait. Et on écoutait énormément de compas, musique traditionnelle compas. Donc là, je situe ça début années 80. On est en Guadeloupe. Beaucoup de compas, musique traditionnelle. Et puis on écoutait les musiques qui nous entouraient, salsa, etc. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas encore une musique populaire identifiée. Propre aux Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique. Quand c'est arrivé, ça a été un vrai phénomène. C'est-à-dire qu'il y a une vraie adhésion du public. Ça allait au-delà de la musique. C'était effectivement un regain de fierté, enfin de la fierté. Et puis ma foi, surtout, je pense qu'à l'époque, on aurait peut-être posé la question, personne n'aurait pensé que ça aurait duré aussi longtemps. C'est-à-dire que, Claudie l'a dit, on est vraiment dans un domaine où 40 ans sont passés. Enfin, je sais pas, j'y étais hier soir, c'était nickel. Je veux dire, j'ai eu une explosion d'images par rapport. Ils ont accompagné ma vie. Kassav constitue une bonne partie de la bande-son de ma vie. Et je pense que c'est le cas d'énormément de gens. Et Frédéric l'a souligné, un côté universel, c'est-à-dire que ça a explosé des barrières. Beaucoup de gens de cultures, d'origines différentes adhèrent en fait à Kassav. Et il faut souligner également la richesse de cette musique. Alors, on va pouvoir revenir dessus, on va reparler hein, de l'histoire des 40 ans. Alors pour ce concert, on a vu un peu de la scène, on vous a fait partager l'ambiance dans la salle. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour dans les coulisses où il y avait beaucoup de monde, dont notamment les artistes du Grand Méchant Zouk. Nathalie Sarfati, Denis Rousseau-Caplan. On vous l'avait promis, on va vous faire visiter les coulisses de l'Arena de Nanterre. Alors c'est beaucoup moins joli que le Zénith, mais vous allez voir. Alors ici c'est la production. Là, il n'y a que des couloirs ici.
Miguel est une fameuse photographe. Elle connaît tous les artistes, elle est là pour tous les rendez-vous et évidemment, elle ne pouvait pas louper Kassav. Miguel, comment louper Kassav, c'est presque arrêter de respirer. Ça fait combien de temps que tu chantes avec Kassav ? 23 ans. Et toujours autant de plaisir d'être ensemble ? Ah oui, parce que c'est toujours des moments particuliers et des moments uniques à chaque concert. Donc, c'est toujours un plaisir. En fait, le groupe Kassav est la raison pour laquelle j'ai choisi d'en faire mon métier. Vous comprenez, donc c'est vraiment un moment rempli d'émotions. Je ne sais même pas quel adjectif trouver pour qualifier ce que je suis en train de vivre. Michel Montano. C'est mon rêve, parce que quand j'avais 9 ans, je chantais et je regardais Kassav comme si c'était Jésus. En Afrique, c'est comme aux Antilles, hein. On connaît, tout le monde connaît Kassav. Qu'est-ce que ça représente, Axel, pour toi, Kassav ? Kassav, si aujourd'hui on est là, c'est grâce à Kassav. Ils ont ouvert énormément de portes pour la musique afro-caribéenne, donc ça représente énormément. Un grand merci à eux. 40 ans. C'est la première fois qu'on joue devant tout ça demande. Et moi, je trouvais que c'est quelque chose de formidable. Et je souhaite un bon anniversaire à Kassav. Alors, 40 ans, 16 albums, plus de 2000 concerts. Une telle longévité, ça vous surprend ? Il y a de quoi. Il y a de quoi à la base quand on sait... Et ça a été abordé par Claudie, quelle problématique ça pose. C'est-à-dire déjà le vivre ensemble. On est les uns les autres, on vit énormément de choses ensemble. Et on vit longtemps, plusieurs à l'année, ça constitue énormément de temps. Ça se fait parfois aux dépens d'ailleurs de la famille, puisqu'il faut en parler aussi, il faut l'évoquer. Ça suppose une certaine dose des facultés, des qualités, à mon avis, d'écoute. Voilà. Savoir respecter les espaces de chacun. Voilà. Après, et puis musicalement aussi, bah oui, personnellement, voilà. Il faut tenir, et puis musicalement. Il y a un homme dans cette histoire. Ouais. Il y a un homme dans cette histoire, c'est Pierre-Édouard Décimus. Tout à l'heure, tu disais, Sly, effectivement, l'environnement musical des Antilles à ce moment-là, fin des années 70, début des années 80, la musique dominicaine est omniprésente, la musique haïtienne également. Et il y a un homme qui dit, il va falloir quand même que, effectivement, nos cadences et tout cela, les groupes, je parle des Aiglons, Expérience 7, il va falloir apporter autre chose. Et il y a un homme, Pierre-Édouard Décimus, il réunit des musiciens qui sont des musiciens de studio, hein, comme on dit, certains sont parisiens, comme Jacob Desvarieux, il y a Jocelyne qui avait travaillé avec Bernard Lavillier, avec Zachary Richard, et on réunit tout ce petit monde-là, et on décide de faire un groupe. Alors au départ, tout ça est balbutiant en termes de style musical, d'alchimie, et puis ça devient une explosion. Ça veut dire qu'il avait choisi les bonnes personnes, il avait choisi les bons joueurs pour faire la meilleure équipe. Et puis parmi tous ces albums-là, moi je suis très fier, je le dis avec beaucoup de prétention, puisque j'ai réalisé le premier best-of dans la carrière de Kassav, c'était pour les 10 ans de Kassav, donc bon, j'avais 10 ans à l'époque, voilà, qui était 10 ans déjà, et je suis très fier. Moi je suis juste un fan. Au-delà d'être un professionnel autour de Kassav, une sorte de biographe improvisé, je suis vraiment un fan. Je suis un amoureux. J'ai pleuré lors du premier Zénith de Kassav. Et hier, j'étais dans une émotion vraiment particulière. Alors Frédéric, vous, quand Claudie avait 10 ans, vous faisiez partie en 91 de Kassav. Vous auriez pu imaginer à l'époque que 30 ans plus tard, le groupe serait toujours là ? Oui, parce que je pense que, à fait mon avis, c'est que chaque membre du groupe Kassav va sous la même direction. Ils savent qu'ils sont créateurs du Zouk et qu'ils ont confiance en ce qu'ils font. Donc, je pense que c'est déjà le premier facteur qui fait que ce groupe dure, parce qu'ils défendent quelque chose, ils défendent une cause, ils défendent une musique culturelle, en fait. C'est que la musique qui nous appartient, le Zouk. Et s'ils lâchent,
Je pense que nous, on va lâcher aussi, quoi. Donc, parce que tous les musiciens qui, tous les groupes qui, derrière, en fait, tous les groupes qui existent aux Antilles, oh, c'est comme si Kassav, c'est la Bible. On prend des exemples, on apprend, c'est une école. Et si cette école-là, elle s'écoule, c'est voilà, c'est, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je pense que justement, que Kassav, parce que bon, s'il fait des 40 ans, c'est que, bon, ils ont plus que 40 ans. Je pense. Et on a remarqué hier soir que le groove était omniprésent. Il y avait une énergie. Franchement, le groove était là. Moi, je pense qu'à un moment donné, j'ai eu une larme aux yeux parce que j'ai dit, c'était trop grand. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Lorsqu'on parle du groupe Chic, par exemple, et tous les gros tubes, le Freak et tout ça, Good Times, il y a un duo. Le duo, c'est guitare, basse, Bernard Edwards et Nile Rodgers. Dans Kassav, c'est pareil. Zoukla, c'est le médicament Nouni, c'est pas un titre de Kassav, c'est un titre de Georges Décimus et Jacob Desvarieux, basse, guitare. Donc le groove dont tu parles, c'est ça. L'un des secrets du groupe. Alors je vous propose justement de se replonger un peu dans l'ambiance de ce concert des 40 ans, samedi 11 mai, Paris La Défense Arena. Regardez. Voilà, Mickaël Lordelot, Thomas Bellon, Dominique Thauliot, la jeune garde aux percussions. Alors, il n'y a pas que la salle qui était en ébullition hier soir, les réseaux sociaux aussi. Certains d'entre vous ont d'ailleurs peut-être suivi le concert grâce à nos équipes sur la page Facebook de la première avec beaucoup de réactions que vous avez repérées pour nous, Kelly Pujard. Bonsoir. Bonsoir Marie, les éloges sont en effet très nombreux sous les réseaux sociaux. Un exemple, avec un message de DJ Wine. Le meilleur concert de ma vie, monstrueux, merveilleux, phénoménal, le plus grand groupe de tous les temps. Kassav, plus qu'un groupe, une icône, fière. C'est ce tweet de cet avocat martiniquais, Maître Hauteville. 40 ans et leur musique n'a pas pris une ride. Bel hommage à Saint-Éloi, Esprit Vagabond. Cet internaute a été visiblement ému par le medley des chansons signées par Kassav. Le groupe a repris les tubes de Patrick Saint-Éloi, le chanteur qui est décédé en 2010. Il manque à de nombreux fans, il y a de nombreux messages concernant Patrick Saint-Éloi. Si un jour, vous doutez sur ce lien qui unit les générations aux Antilles, venez à un concert de Kassav. C'est la prescription de Jordan Eustache, un avis partagé sur Facebook par Stéphane Castry. Stéphane Castry a été le bassiste de Kassav de 2000 à 2004. Il est toujours bassiste, je vous rassure. Une soirée exceptionnelle où j'ai pu réentendre des tubes qui m'ont bercé et fait rêver depuis mon enfance. Joyeux anniversaire à Kassav et merci. Merci, c'est peut-être le mot-clé sur les réseaux sociaux depuis hier, encore aujourd'hui, ce dimanche. Merci, un mot-clé qu'on retrouve sur un très beau texte signé Véronique Herman Sambin, une chanteuse guadeloupéenne. Je vous invite à le lire sur Facebook, sur sa page Facebook. Bien, merci à vous, Kelly Pujard. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, dans 10 ans, fêter les 50 ans de Kassav, ou est-ce qu'il va être temps de passer la main? Les Stones sont toujours là, il n'y a pas de raison que Kassav ne soit pas encore là. Non mais voilà, très clairement, oui. Moi je dis oui aussi. Ouais, j'y crois. Oui. Votez pour oui aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Jacob le dit déjà aussi, donc je pense que c'est une motivation. Donc, mais dans le même temps, tu vois Fredo, Jacob hier soir, il a remercié toutes celles et tous ceux qui ont joué, travaillé au sein de Kassav. Moi j'ai pensé à Claude, Jean-Claude Vamur, Claude Vamur. Claude qui a été le batteur de Kassav. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous préparer un truc, là, tous, là en train de nous dire, bon, on va peut-être s'arrêter. Ils sont été surpris parce qu'en fait, j'ai rencontré Romano, Thierry Face, Guy Singuet, qui était aussi bassiste de Kassav, Catherine Lopa, qui a été danseuse avec Marie-Jo. Et ça m'a fait plaisir de voir tout ce beau monde qui était réuni pour les 40 ans de Kassav. Ils étaient... On sera les gardiens du. Il faut qu'on soit les gardiens du temps tous les trois pour qu'ils ne s'arrêtent pas aussi bon chemin. Vous disiez non, sans eux tout s'écroule, mais non en fait il y a la relève qui est là. Non. Ah oui oui. Tout ne s'écroule pas. Enfin, tout ne s'écroule pas, mais c'est né en fait, c'est né à une époque où voilà les cuivres étaient omniprésents, enfin, très influencés par la funk, par ces grands groupes notamment Chic, mais voilà. L'environnement musical est différent. Peut-être que ça continuera. En tout cas, moi, je suis pro.
là-dessus. Mais je veux dire, on tâchera de continuer. Mais je pense que surtout Kassav, pour en revenir à votre question, Kassav continuera. Il y a juste un truc, 30 secondes. Le mot de la fin. Même pas, c'est le premier producteur de Kassav, enfin le grand producteur de Kassav, Georges Debs, qui disait, lorsqu'on parle, je prends même volontairement sa voix, lorsqu'on dit les groupes antillais, il y a le numéro 1, c'est Kassav, après il faut passer au numéro 10. Il n'y a personne, entre. Et ben voilà, on y croit, Kassav les 50 ans, et vous serez là pour y veiller. Oui. Voilà, on va donc s'arrêter là. Merci beaucoup, Claudie Sciarre, Sly, Frédéric Caracas, merci. Et encore joyeux anniversaire à Kassav. Joyeux anniversaire à Kassav. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale des 40 ans. On va se quitter en musique, évidemment, avec un clin d'œil. L'un des plus grands tubes du groupe, revisité, réinterprété par quelques personnalités. Certaines sont là. On vous laisse savourer. À bientôt. Pourtant tu sais que la vie est dure. Dis-moi comment tu fais pour tenir. Zoukla c'est sel médicament nous ni. Zoukla c'est sel médicament nous ni. Zoukla c'est sel médicament que j'ai. Zoukla c'est sel médicament nous ni. Zoukla c'est sel médicament nous ni. En malade, en malade, en malade. À l'hôpital. En malade, en malade, en malade. À l'hôpital. Soyez anniversaire. Thank you.